Et bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver. On va partir sur un tirage sentimental. Je vais commencer par les énergies générales déjà pour voir les énergies qui ressortent. Et ensuite, on va basculer directement dans le sentimental. Les amis, je tenais à vous remercier tous pour votre présence, tous pour vos commentaires, vos gentils commentaires qui me font très très plaisir. Sachez que si je ne peux pas répondre à tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de monde et c'est pas possible, je les lis tous et ça me fait vraiment très très plaisir. Donc je vous fais de gros bisous les amis. Je vous remercie tous pour votre présence et pour vos gentils commentaires. J'en profite également pour remercier particulièrement Taz 2.0 pour son don. Merci beaucoup Taz pour ta générosité, ça m'a beaucoup touchée, c'est très très gentil. Également Kitou pour ton don, je te remercie énormément, merci beaucoup, ça me fait très très plaisir. Vraiment ça me touche énormément les amis. Et également Guiuli, si je prononce bien ton pseudo. Je te remercie énormément pour ta présence, pour tes gentils commentaires. Et pour le don que tu m'as fait également, qui m'a fait très très plaisir. Je vous fais tous de gros gros bisous les amis. Avant de commencer ce tirage, voilà, j'y tenais énormément. Donc on peut y aller les amis. On va commencer donc par les énergies générales. On va aller voir à la coupe déjà, qu'est-ce qui ressort. Et ensuite, on ira voir voilà, dans le sentimental. Allez, on y va. Alors, là, moi, ça me parle d'une personne. C'est toujours la même personne, les amis. Non, mais il faut lui dire à cette personne, dépêche-toi, s'il te plaît. Qu'on puisse avoir d'autres choses. Non, mais franchement. C'est tout le temps dans les énergies. Franchement, les amis, je ne choisis pas les messages. Je suis désolée, les amis, je ne choisis pas les messages. Voilà. Donc, c'est toujours cette même personne qui a des choses à vous dire, qui ne l'a sûrement pas fait pour beaucoup d'entre vous. Qui met du temps voilà, à avancer, à se décider. Alors, elle le souhaite déjà, hein, c'est déjà, voilà. Mais de là à se mettre en action et à passer dans le concret, voilà, elle n'y est pas encore. En tout cas, on me dit qu'elle est vraiment, elle est vraiment décidée, elle va se mettre en action, parce que c'est son vœu, en fait, de venir vous rejoindre. Elle y tient énormément. Vous êtes la personne qu'il souhaite retrouver, vous êtes la personne avec qui il souhaite se réconcilier. Il y a des choses qui ne vous a pas dites et on voit qu'il tient vraiment à avoir une discussion pour vous révéler ces choses-là en fait. On me dit que c'est une personne qui ne veut plus souffrir par rapport à des énergies tierces, donc moi je vois plus des personnes. Que ce soit la famille, que ce soit peut-être une ex-partenaire ou une personne qu'il est en train de quitter. En tout cas, on me dit qu'il ou elle ne veut plus souffrir par rapport à ces énergies tierces-là. Ça l'a pas mal déstabilisé. Il était pris en fait entre cette énergie tierce ou ces énergies tierces, que ce soit famille ou ex-partenaire ou personne qu'il est peut-être en train de laquelle il est peut-être en train de se libérer. Je vois ici qu'il était pris entre ces énergies tierces là et vous. Et au milieu, bah, il était complètement en déséquilibre là. On voit qu'il avait du mal vraiment à conserver, à garder un équilibre. J'ai une proposition là qui vient vers vous. Hein. Proposition sentimentale. Ouais, ça me répète encore et ça me confirme que cette personne va se mettre en action après une séparation. Hein. On me dit également que il ou elle... je ne sais pas si c'est elle qui a instauré une distance, une coupure, ou si c'est vous. En tout cas, elle a participé au fait de vous laisser partir quelque part. On me dit que c'est une personne qui est plutôt accomplie sur le plan matériel, que c'est une personne stable au niveau projet, au niveau matériel. C'est plutôt quelqu'un... oui, c'est quelqu'un de bien établi dans la vie, on va dire. C'est quelqu'un qui fait très attention donc à ses finances, au travail... à tout ça et qui a bien avancé de ce côté-là. Bon, on va voir. Mais là, cette personne, elle est vraiment très décidée. Hein. Quand elle va démarrer, elle va démarrer. Hein. Bon, on va aller voir la suite.
Bon, ça n'arrête pas de me répéter ça. Entre-temps, j'ai remis cette carte qui était tombée tout à l'heure pour voir et elle ressort encore. Hein. Donc, il y a une personne là qui est en train de réfléchir vraiment, mais en profondeur quoi. Hein. C'est pas des petites réflexions. Hein. Alors, on va aller voir lui. Il y a une personne qui a réfléchi longuement, on va dire, par rapport à une trahison. Il s'est passé quelque chose avec une personne ou il y a quelqu'un de son entourage. Ses amis ou peut-être la partenaire qu'il vient de quitter ou qu'il est en train de quitter ou peut-être une personne de la famille, je ne sais pas. En tout cas, une personne qu'il connaît bien lui a fait un sale coup, on va dire, ou s'est servi de ses affaires ou a signé des trucs ou je ne sais pas, il a fait quelque chose sans son autorisation, quelque chose. Elle a fait quelque chose dans son dos en fait, quelque chose qu'elle. Voilà, sans permission, sans. Sans demander l'autorisation. Je ne sais pas ce qu'elle a fait cette personne, mais en tout cas, ou elle a peut-être, tout simplement, trahi des promesses qu'elle avait faites. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a eu une trahison. Cette personne a subi une trahison de la part d'une personne proche, et c'est cette trahison-là qui l'a emmené, à réfléchir longuement, en fait, hein, à faire le point. C'est vraiment le truc déclencheur qui a fait que vraiment, là, cette fois, elle s'est vraiment remise en question sur sa vie, sur ses envies, voilà, les choix qu'elle a fait jusqu'à maintenant, etc., quoi. Elle s'est vraiment remise profondément en question. Alors, moi, ce que je vois là, c'est que cette personne est très, très attachée à vous. Ça me dit que vous avez beaucoup de différences, ça peut être une différence d'âge, ça peut être une différence de culture, ça peut être, voilà, cette personne a peut-être d'autres origines que vous, il y a peut-être une différence au niveau social, peut-être qu'il y en a un qui a plus les moyens au niveau matériel que l'autre, ça peut être des différences, ça peut être des différences aussi par rapport à un fonctionnement intérieur, hein. Je ne sais pas, en tout cas, il y a pas mal de différences entre vous, mais c'est pas, voilà. Ça ne vient pas faire vraiment obstacle parce que cette personne est vraiment très très attachée à vous. C'est vraiment, je dirais pas obsessionnel, mais presque, hein. Et on voit qu'il y avait la possibilité de concrétiser quelque chose entre vous et lui, ou vous et elle. Mais ça s'est pas fait en fait. Ou pas correctement, ou pas complètement. Et il y a eu un abandon en fait de la relation. Il y en a un qui a préféré fuir ce lien, fuir ses sentiments, fuir ses ressentis. Mais là, on me parle d'évolution par rapport à ça. Hein. Après cette distance, après ce froid, après cette rupture de communication, il y a une bonne évolution. Hein. Il y a vraiment une bonne évolution. Hein. Et on me parle vraiment du retour de cette personne. Et pour moi, il y a une réconciliation qui arrive. On me dit ici qu'il en rêve, il ou elle en rêve en fait. Hein. C'est vraiment quelque chose qui ne la quitte pas. Elle est tout le temps en train de se dire, à espérer en fait, se réconcilier avec vous. Vous êtes vraiment tout le temps présent dans son esprit. Hein. Donc en fait, ce qu'elle voudrait, c'est, voilà, c'est avoir une discussion avec vous, vous expliquer certaines choses et essayer de trouver des compromis, de trouver un terrain d'entente. Pour que vous puissiez vraiment vous réconcilier beaucoup, beaucoup. Plus, plus, plus quoi. Puisqu'après, cette personne, elle aimerait faire des trucs. Je peux pas montrer la carte. Faire des trucs. Plus, plus, plus quoi. Plus, plus, plus. Ah, ça me fait penser. Tiens, d'un coup, je pense à une abonnée qui m'a dit. Tu regardes pas la caméra? Tu regardes pas la caméra du coup?
On a l'impression que tu louches. Mais oui, les amis, je suis désolée, j'y arrive pas. Alors, pour les anciens, ils sont déjà au courant. Ils sont déjà au courant que je l'ai cherché un peu par-ci ou par-là. On m'a dit là, ici, au milieu, au milieu. Alors, il y en avait qui me disaient au milieu, il y en avait d'autres qui me disaient à gauche. Enfin, le souci, c'est que j'arrive pas, en fait. Comme c'est à l'envers, j'ai un souci, en fait, de sens. J'inverse les sens. Donc, je sais pas où vous êtes. Je sais pas où vous êtes, les amis. Alors ne me dites pas à gauche ou ne me dites pas à droite, ça sert à rien de toute façon, parce que j'irai de l'autre côté, donc... Donc en fait, j'ai essayé et j'y arrive pas, donc du coup je laisse tomber. C'est pas grave, hein. Si je vous regarde ici, que vous êtes là, ben... Vous savez que c'est vous que je regarde, quoi. Enfin, que j'essaie. Bon, ça va. Ça me pose aucun problème pour conduire, alors je sais pas pourquoi, mais heureusement. Ah là là. Bon... donc oui, cette personne, elle rêve de... Ouais, de y aller, quoi. Avec vous, hein. On y va, quoi. Hein. Bon, à condition qu'il y ait des négociations qui passent, parce que sinon, je pense que ça va être compliqué pour elle. En tout cas, on me dit ici que cette personne va se déplacer. Encore, on me dit, on me répète que cette personne va se déplacer. Elle compte vous offrir un cadeau. Elle va vous offrir quelque chose, elle va vous faire une proposition. Elle a pris une décision, c'est pour ça qu'elle s'est renfermée aussi sur elle. Elle avait besoin de ce temps, de cette pause, de ce recul, de cette prise de hauteur comme ça sur les événements qu'elle a vécu de son côté, sur cette trahison aussi, qui en fait grandement partie. Beaucoup de jalousie autour d'elle. Hein. Il y a une personne là, une ex ou une personne. Peut-être celle qui a trahi, là. Beaucoup de jalousie. Hein. Bon, en tout cas, il ou elle souhaite complètement effacer, en fait, passer l'éponge complètement. Elle veut carrément repartir sur des bases nouvelles et laisser derrière, en fait, tous les désaccords, tout ce qui s'est passé avant. Elle veut vraiment repartir avec vous sur de nouvelles bases. Hein. Ça, c'est vraiment son objectif, en fait. Hein. Ouais. On me dit qu'il y aura beaucoup de joie après une prise de distance, hein, donc je pense que quand même il y aura une réconciliation pour beaucoup. Après, on va voir. Je vais prendre un autre oracle. Bon, les amis, j'ai pris un autre oracle un peu pour changer. J'ai voulu tirer une carte pour voir le message qu'on avait à vous transmettre. On va mettre un petit peu de côté quelques minutes Pierrot ou Josette, là, je ne sais pas comment il s'appelle, mais qui met 150 ans là pour se décider à venir vous parler, à se déplacer là. Donc, on va aller voir une autre petite carte d'un autre oracle pour voir le message qu'on a à vous transmettre, les amis. Allez, c'est parti. Je vais vous lire la carte carrément parce que je pense que les messages de cet oracle sont très très intéressants. Alors là, la carte qui est sortie pour vous, c'est n'ayez pas peur d'être abandonné. La vie ne peut pas vous laisser tomber dès lors que vous la choisissez. Ne craignez rien, vous ne serez jamais seul car vous faites un avec l'univers. S'il y a des moments où il est nécessaire de fermer une porte pour en ouvrir une autre, il y a aussi des moments où l'on peut se fermer des portes par peur de souffrir. Sachez que votre mémoire a créé des associations qui vous jouent parfois des tours pour vous protéger et ne plus revivre la souffrance liée aux abandons de l'enfance et de l'adolescence. Vous avez réprimé en vous le désir d'aller vers l'autre. Sachez que le plus grand des abandons consiste à s'abandonner soi-même. Chaque fois que vous choisissez l'autre, sans prendre le temps de vérifier si vous êtes encore en accord avec votre équilibre et avec votre bien-être, vous vous abandonnez. Apprenez à être en concordance avec vous-même. Ne vous lâchez plus en cours de route. Vous n'aurez plus peur d'être abandonné car vous vous choisirez dans vos relations. Bon, mais je trouve ça très très beau, les amis. Bon, mais c'est toujours le fait de se respecter, de s'aimer et de faire les choses qui sont bonnes pour soi avant d'aller servir l'autre, avant de répondre à ses exigences, avant de faire peut-être des choses que, avec lesquelles on n'est pas forcément à l'aise, parce que ça arrange l'autre. Voilà, ici, ça recentre encore là-dessus, et c'est tellement important, en fait. C'est tellement important parce qu'à un moment donné, quand on est bien avec soi, on n'a plus besoin d'aller combler, en fait, une solitude ou d'aller combler une sécurité affective ou d'aller combler
une certaine valorisation peut-être qu'on aurait besoin d'avoir encore de l'extérieur. À partir du moment où on se retrouve intérieurement, où on se recentre avec soi-même, on n'a plus ce besoin d'aller chercher chez l'autre toutes ces choses-là parce qu'on se les apporte soi-même. Et l'autre devient en fait juste un bonus, une cerise sur le gâteau, une personne avec qui on souhaite partager la vie, l'apprécier, la savourer et passer, voilà, profiter de l'instant présent qui est très précieux, auquel il faut se reconnecter, c'est très très important. Vivre en pleine conscience, ça c'est vraiment le principal. Et vivre en pleine conscience à deux, c'est encore plus beau. Et donc voilà, c'est tout simplement une étape à atteindre, et puis après, pour être en complétude avec soi-même, et ensuite ben, partager sa complétude avec une personne qui a atteint sa complétude elle aussi, hein, parce que sinon, si vous vous mettez avec quelqu'un qui n'est pas à ce stade-là, eh bien, vous allez compenser. Chez cette personne, ça va être le contraire, c'est vous qui allez devoir lui apporter la valorisation, la sécurité affective, qui allez devoir la coacher, qui allez devoir la rassurer, qui allez devoir... Alors, il y a un petit peu de tout ça dans toutes les relations, c'est normal, hein. Il y a des petits besoins ponctuels comme ça, c'est... Voilà. Mais là, je parle d'une compensation, c'est-à-dire que vous allez être la structure de l'autre, ou l'autre était votre structure à une certaine époque. Quand on est sa propre structure, qu'on se reconstruit de l'intérieur, on n'a plus besoin. On n'a plus besoin d'aller chercher ça. Donc, il faut se trouver des personnes qui sont après... arriver à ce stade-là aussi, parce que sinon, bah, vous allez vous faire aspirer, en fait, et vous allez vous faire dévorer, vous allez vous faire manger tout cru. Voilà, les amis. Bon, on continue. Je ne sais pas avec quel oracle. Je vais prendre un oracle sentimental, et ensuite, on va aller voir quelques petits messages de la personne de votre cœur pour vous, en tout cas pour les personnes qui souhaiteront savoir. Et puis, voilà. Allez, on va aller faire un petit tour avec l'oracle du destin du cœur. Oups là. Bon, on me parle ici qu'il y a une relation qui a commencé. Alors, qu'elle se soit vraiment concrétisée ou pas vraiment, il y a quand même eu un lien en fait qui s'est formé avec une personne. Ça a laissé des empreintes chez cette personne. Hein. Ben, je pense que c'est la même personne qu'il y avait dans le tirage avec l'autre oracle. Vous l'avez marqué. Hein. Vous l'avez vraiment marqué. Elle souhaite un rendez-vous, ça ressort encore ici. On me dit que ça risque d'arriver rapidement. Alors, rapidement, comme ils n'ont pas de temps là-haut, ils me font bien rire avec ça. Bon. Moi, en général, quand je fais des prédictions, je le rappelle de temps en temps, j'ai remarqué que le plus souvent, ça peut aller jusqu'à 4 mois, 4-5 mois. Après, c'est toujours pareil. Tout dépend de l'avancée, de votre avancée personnelle et bien de ce que vous travaillez ou de ce que voilà de votre rythme en fait d'avancement. Les opportunités qui sont prévues pour vous en fait vont se débloquer quand vous allez avancer dans votre travail intérieur qui voilà qui vous est propre à vous. Donc si vous voulez on ne peut pas donner de délai parce que ça dépend vraiment de tout un chacun. Bon en tout cas eux ils me disent que c'est quand même assez rapide. Donc j'imagine que si c'est assez rapide, ça va être dans le mois en cours. En tout cas, dans les prochaines semaines. On me parle d'un rendez-vous. Hein. Il y a une personne là qui est carrément dans une transition. On me parle d'un changement de vie. C'est pas un petit changement. Elle a vécu les choses de son côté. Elle a pris des décisions très importantes qui ont fait que carrément, elle va. Il y a des grands, grands changements de son côté. Hein. Il y a des grands, grands changements. Je pense même que cette personne est sur le point de déménager ou elle envisage, elle est en train de préparer, de faire les démarches pour pouvoir déménager. On me dit ici encore qu'elle va venir vous expliquer à cœur ouvert, en fait, hein, ce qu'elle a à vous dire. Il y a des choses très importantes qu'elle tient vraiment à que vous sachiez. Elle va vous confier beaucoup de choses, je pense. Par rapport à une décision très importante qu'elle a prise, on me dit. Elle a été dans l'illusion. Dans l'illusion avec une personne, une relation, et elle n'a pas voulu voir les choses en face pendant assez longtemps. Et là, je pense qu'elle a coupé.
Ouais, non, mais on vous dit vraiment que cette personne tient vraiment à s'expliquer à cœur ouvert, hein. Ça, c'est ce qu'il a. C'est vraiment ce qui ressort principalement chez elle, hein. Bon, mais votre autre là, on me dit qu'il vous piste. Donc je pense qu'il essaie de se tenir au courant quand même de. Est-ce que vous avez quelqu'un ou est-ce que vous êtes encore célibataire? Est-ce que. Voilà. Je pense que elle essaie globalement, elle essaie quand même de se tenir un minimum au courant. En fait, en tout cas, elle garde un œil sur vous. Hein. Regardez, c'est lui ou elle, c'est le hibou. Vous avez vu comment il vous fixe là? Quitte pas des yeux. Bon, il y a un manque de communication, vraiment un silence même, qui est instauré. Mais il y a un rendez-vous qui va arriver ici, là. Hein, et c'est pour un engagement que cette personne souhaite vous voir. Hein. C'est pas pour n'importe quoi. Allez, on va en faire une dernière. Ensuite, on va aller sur les messages. Ok, là, on me parle de vous. On me dit que vous vous sentez perdu, que vous vous sentez dans une sorte d'impasse, en fait, quelque part, ça vous semble interminable, vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue, que ça ne peut pas bien se terminer, que c'est sans fin, en fait, hein. Mais voilà, on vous dit, ne vous fiez pas à la perception du moment, qui est maintenant. Il y a des changements qui demandent, voilà, un certain temps, parce que ce ne sont pas des petits changements. Ce sont de grosses transitions et voilà, ça prend du temps. Mais pendant que cette personne est en train de est en transition, vous devez continuer à avancer en fait pour pas être emprisonné par cette sensation d'attente qui est très très pesante, qui est oppressante. Mais on vous dit en tout cas ne vous laissez pas à voir par les impressions en fait. Hein. Oui, vous avez l'impression que c'est une impasse. Oui, vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Mais on vous dit qu'il y a un message qui arrive. Et ça le répète plusieurs fois. Donc, il y a vraiment un message qui arrive. Hein. Donc, ça peut être un mail, ça peut être un texto, ça peut être un courrier, ça peut être un message sur les réseaux sociaux, ça peut être... voilà, peu importe le moyen de communication, il y a un message. Il y a un message qui arrive. On me dit bien que c'est dans le domaine sentimental. Hein. Et en dos de deck ici, j'ai la fin des épreuves hein, qui est prévue. On vous annonce la fin des épreuves par rapport à ça. Donc voilà les amis, ne perdez pas espoir, ne perdez pas courage. Alors évidemment, je ne parle pas des relations toxiques, hein, je me répète, parce que j'ai beau le dire, il y a des personnes qui continuent de regarder des guidances où on parle d'amour, de liens forts, alors que voilà, ça n'a rien à voir. Personnes toxiques n'ont rien à faire dans ce genre de guidance. On parle d'amour. Une personne toxique ne sait pas aimer, donc c'est un problème, quoi. Voilà. Donc voilà. Qu'il n'y ait pas de confusion, hein. C'est important. Allez, on y va. Donc on va aller voir ce que dit votre autre. Plutôt ce qu'elle ne vous dit pas, mais qu'elle pense très très fort. Les messages qu'elle a dans le cœur, qu'elle a dans l'âme. Allez, on y va. Oula, là on a des choses à dire. Hein. J'ai même pas le temps de brasser les cartes. Allez, je vais arrêter là parce que elle a beaucoup, beaucoup de choses à vous dire, hein, cette personne. J'ai l'impression que ça fait un moment qu'elle ne vous parle pas et que même quand vous vous parliez à l'époque, c'est pas quelqu'un qui se confiait beaucoup. C'est une personne qui gardait beaucoup ses émotions ou ses sentiments, ses ressentis, etc. Je te surveille. Tiens, vous voyez, je vous avais dit, hein, le hibou. Ça vient vous confirmer ici, il vous piste, hein. Il ou elle vous piste. Je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre.
Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je l'avoue pas forcément. Elle vous piste, hein. Elle vous piste en secret. Je rêve de toi. Donc ça aussi, c'était sorti tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Tu es présent ou présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. Tu es important ou importante pour moi, et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble. Et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. C'est beau tout ça. Je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant ou impuissante à changer la situation. Être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage, par une union libre et d'être heureux ensemble. Bon, alors c'est pas forcément mariage, mais dans tous les cas, on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle du destin du cœur, ça nous parlait vraiment, ça nous précisait vraiment que cette personne, voilà, elle souhaite vous parler, mais c'est vraiment pour vous parler d'engagement en fait, hein. C'est pour officialiser et concrétiser une relation. Et pour finir, la dernière, excuse-moi, je suis désolée. Donc, cette personne s'excuse. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Ouais, cette personne a la peur de ce qu'elle ressent pour vous. Ça lui fait peur, elle ne maîtrise pas, elle le sent, elle le sait, elle le constate jour après jour. Et ça se confirme, et là, il n'y a plus de doute, elle sait qu'elle ne contrôle pas ce qu'elle ressent pour vous, il y a vraiment des sentiments et c'est ce qui l'a fait paniquer, quoi. Mais bon, je pense qu'elle est en train de travailler là-dessus et quand elle va revenir pour vous parler... d'officialisation, c'est que il ou elle sera prête. Voilà les amis, bon ben on arrive à la fin de ce tirage. Je vous fais de gros gros bisous en espérant que ce tirage vous aura fait plaisir et je vous dis donc au prochain tirage. Bisous bisous, ciao ciao.